poisson est un aliment très important et la pêche fait partie de la vie des Sénégalais. Mais le poisson est devenu rare au Sénégal. Le revenu des pêcheurs diminue et la durabilité de la pêche est dans un état critique. Les pêcheurs de Nianing et de Pointe-Sarène, qui sont les acteurs de ce film, s'inquiètent pour le devenir de leur pêcherie. Alors 10 000 âmes, vous voyez que vraiment nous avons pesé beaucoup, beaucoup sur la ressource. La dégradation, ce qui est le plus important, c'est que les gens ne sont pas les gens. Mais en même temps, aussi, l'accord de pêche, c'est que les bateaux yakna ñu ay dekk way yu bari ci geej gi to en même temps aussi tamit ak pratique yene certains filets yi nga xamantene yi ay mbal yu sew lañuy doon mbal yo xamantene yi bo xolé big sax xeju ci donc mbal momu tay ñun nan ko mbalu sipax tay day jappalé ay jeun yu ndaw yi nga xamantene yi ñom ño warona juddou tay nek mag développer geej gi légui fumu nek ni dañ koy ray bolé kok xeyna yenen pratique yo xamantene dal vraiment ay pratique la yo xamantene deug depowul dal ak li nga xamantene li mom moy natal geej dal pay dañ doon fess del sen gal xonk ciur ak yaax waaw bañu fess del ak tiof. Mais lolu yep amatul légui tay ci boko bëgg am fan nga bëgg ah légui ya ngi dem ba Guinée Bissau Guinée Conakry ñi ñi dañu dem Besserano won amna suñuy mool yo xamanteni ñu ci galu mouride dañu dem Besserano diko fa nap ñen ñi ils sont obligés ñuy campagne Mauritanie li nak mo indi mo gëna indi provocation mbëkk bi c'est ça mo gëna indi ay provocation Espagne bi waaw. Maintenant, quelles sont les solutions pour faire face à la diminution des ressources halieutiques? Tout le monde sait que nous devons nous méfier de la surpêche. Comment doit-on gérer les pêcheries? Ce tableau indique les différentes initiatives prises par les acteurs à Nianing pour gérer les ressources halieutiques. En cela, ils ont été soutenus par l'administration locale des pêches pour avoir un appui juridique. C'est ce qu'on appelle l'arrêté préfectoral. De plus, une recherche participative d'une année a été menée conjointement par les chercheurs et les pêcheurs pour clarifier la période de reproduction de ces deux espèces ciblées. Cette approche s'appelle cogestion. Thank you.
La cogestion des ressources halieutiques peut être comparée à un match de football où les pêcheurs sont les joueurs de champ, l'administration les supporters. Cette cogestion a démarré à Nianing en 2004. L'année suivante, les villages environnants de Mbaling et de Pointe-Sarène ont émis le souhait de partager cette expérience. Ainsi, ensemble, ces trois villages observent chaque année, du 15 septembre au 15 octobre, un repos biologique du poulpe. De plus, ils font l'immersion de pose à poulpe pour la ponte. Dès le 15 septembre, nek na bëss bu reuy ci ñun parce que suñu repos biologique bi lañuy préparer avant repos bi nak toujours dañuy yobbu ay nda ñun mool yi dañuy défar ay nda yobbu ko ci geej pour yërënk bi mëna dugg ci biir nen ci biir da geej gi ku ci nek xamna geej gi fi mu tor ni luñ doon japp ci jeen wañéku na lolo tax ñun vraiment ñu am idée yoyu pour di yokkat jeen bi yokkat ressource bi. Parce que dañu né geej gi ñun mool di ñun ñoko mom kon nak fokk ñu jëm ko défar ci ay pexé ci ay xalaat ñun nak suñu xalaat moy ñu yobbu tay ay nda soop ko ci geej nda yoy yërëng yi mëna ñëw jur ci ay doom ci biir. Ceci est une vue sous-marine des poses à poulpe dans la zone de Nianing. Ils leur servent d'habitat et de lieu de frayère. Un poulpe entre dans un pot et peut pondre environ 100 000 œufs. Selon une étude menée en 2006, sur 1700 poses immergées, on y a pris un échantillon de 10% et on a constaté que 50% de ces pots contenaient des œufs et dans les 75%, il y avait des poulpes. Les pots sont vraiment efficaces pour l'augmentation de la ressource du poulpe. Et les trois localités, Nianing, Pointe-Sarène et Mbaling, ne se sont pas seulement limitées à la gestion de la pêcherie du poulpe, mais aussi, ils protègent le cymbium, qui est une espèce importante dans cette zone.